Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur Flappix TV, bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une map avec une ambiance qui fait un peu flipper. C'est littéralement une forêt de la mort. Et vous allez voir que la map est juste magnifique, au niveau des couleurs et même l'ambiance. Forcément, on est de nuit dans une forêt. C'est tout ce que je kiffe au niveau des maps zombies. Bref, si vous kiffez toujours autant les épisodes Custom Zombie, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Flappix pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a 4 vidéos par semaine, donc pensez à activer la cloche des notifications. Et on est parti pour découvrir et faire entièrement cette map custom The Dead Forest sur Black Ops 3. Protège tes yeux des écrans. Les écrans projettent de la lumière bleue qui peut être nocive à long terme et peut abîmer la vue, causer des migraines, de la fatigue visuelle et bien d'autres choses. Si tu passes pas mal de temps sur un écran, que ce soit portable, console, PC ou télé, pense à te procurer des lunettes Gunnard. Elles filtrent la lumière bleue des écrans et il y en a pour tous les prix et pour tous les goûts. Tu as même le pack Flappix qui est disponible sur le site. En plus, tu as 10% de réduction sur tout le site Gunnard avec le code promo Flappix. Tu as le lien du site en description si ça t'intéresse. La vue c'est important, donc pense à protéger tes yeux. On va être parti dans la forêt de la mort, The Dead Forest. Je suis content, c'est la TH... La THIW. Ça me dit un truc, le son. Ça me dit un truc, jolie map. Ouais, vraiment, visuellement, c'est... De toute façon, quoi, je trouve que c'est la teinte, j'appelle la teinte logical. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur toutes les maps de Logical, par exemple, il y a cette petite teinte, enfin, il y a Logical et aussi Xela qui ont ce petit grain. Le son dit, ouais, le son dit quelque chose aussi de ouf. Mais je saurais pas dire quoi. J'ai entendu ce passant de manche qui part. Aussi. Je sais plus ça vient de quelle map, ce passant de manche, mais j'ai déjà entendu aussi. Clear débris 1000 points, ok. Et si on a une M14? Mais non! Le Rémi, merci beaucoup pour les 38 mois de sub qui régale! Putain! Bientôt le retour des rois là! Bientôt? Comment est-ce qu'il va lui? Ah, je suis content là. Le froid revient, ça ressort les petits pulls, ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait un bail. J'ai vu là les petits teasers qui commencent à tomber. Les petites Sherpas. Son Halloween de... Putain, c'est pour ça, Diablo, que ça faisait un truc. Ah, vivement, vivement la date du drop, bordel. Vivement. Bon, s'il a pas mis de jumpscare sur le map, je suis déçu. Genre un endroit où tu vises et là, d'un seul coup, petit pas. Je serais déçu. Peut-être qu'on s'est acheté une arme, par contre. J'adore l'annonceur, la VO de Willard. Malheureusement, Doubleur est décédé. Mais ça a l'air grand, en fait. Attends. Ah, c'est un teddy pour la musique, j'ai entendu d'ici. The Dead Forest. Mais là, moi, ce que j'attends dans le drop le plus, c'est les pants que j'attends et que je m'en photo depuis je sais pas combien de temps. Punaise. Oh, le beige. Ouais, l'acteur qui a fait le doublage de l'annonceur Willard Duller était décédé. Il me semble que c'est la VO, c'est ça. Faire reprendre sa date, mais... Je crois que les premières fois que je les ai vus, c'était sur des teasers. Genre quand tu teasais un peu les fluffy, je crois. Putain, j'étais en mode, mais c'est quand qu'ils les sortent, ceux-là? C'est quand, bordel? Oui, c'est la VO, c'est ça. Malheureusement, c'est la vie, hein, c'est... Je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur qui fait la VO de Willard. Il y a un an, ouais, c'était un truc comme ça, ça commence à dater. J'apprécie ce machine double tap. Vu qu'on n'a pas double coup sur Cold War, les mecs se sont dit, bah pour les maps où on met les machines d'atout de Cold War, bah vas-y, on crée une machine d'atout double coup, comme si c'était Cold War. C'est ça, je crois, Diablo, c'est ça. Maintenant que tu me le dis, non, ça me rappelle un truc.
Mais la map elle est super jolie franchement. Ça a l'air d'être très grand. Là c'est quoi comme arme? Une ICR? Ouais non j'aime pas l'ICR. Ok ici on a ICU. Très nice. Voilà. Je suis bourré ou juste un shoot de merde? On va partir sur l'option shoot de merde pour pas me faire ban évidemment. Ben j'ai toujours pas trouvé le courant en attendant. Celui-là il fait plaisir, c'est à tout. Ah ouais, je sais pas où est le courant. Oui, c'est lui, ok, ouais, c'est bien ça. Bien vu. Bon, on va continuer d'ouvrir de l'autre côté, hein, du coup. Et le Bayabal Ending, et surtout, ouais, où est-ce qu'on active ce putain de courant? Peut-être trouver une meilleure arme, si possible. Aussi, ce serait cool. Et si on a passe-passe? Bah c'est juste une délimitation de la map. On n'a pas l'air d'aller plus loin. Mais attends, mais je trouve pas le courant, c'est terrible. C'est une catastrophe. Là-bas, il y a la boîte. Vas-y, on va aller là-bas de toute façon. On va aller là-bas. On a un autre Teddy pour la musique. Bon vas-y on va faire la boîte hein, au pire. Ok. Fin de manche. Mais c'est vrai que maintenant que j'entends son passement de manche, c'est celui de l'event Halloween de Cold War. Putain, il était tellement bien cet event. D'ailleurs, cher Pat, t'aimes bien, mais carrément. Ah, la gris clair blanche, celle-là, je l'ai eue. J'étais en mode... Ah, celle-là, elle est pour moi. Rien à foutre le jour de la sortie. Ça clique instant. La bleue aussi, elle est classe. Ah, salut toi. J'ai activé tous les Teddy. Ça acquiert une source... ok, de... bah oui, il faut que je trouve le courant d'abord. Ah, et le bleu, il est clean. J'ai vu, il y a un t-shirt aussi qui est un peu assorti. Ah, un peu, quoi. Mais les trois, elles sont incroyables. Les trois, elles sont clairement dingueries. Il y a un truc derrière, là? Non, pas du tout. Attends, mais la map, elle se finit un jour, ou... Attends. Ah, l'ambiance de la map, ouais, bah c'est une map, bah de toute façon, une map qui sort à Halloween, clairement. Genre de map qui sort bien à... Ah bah voilà. Halloween. Petite map horreur. Ambiance un peu lugubre. C'est tout ce qu'il nous faut. Ah mais même attends quand on fait pause, j'avais pas fait gaffe. Oh hop, à la... les copyrights, salut. Ah si je peux garder la monétisation sur la VOD, ce serait cool. Franchement. Bon ouais, on va s'acheter tous les atouts, puis se faire des points de toute façon pour le Bayabal Ending. Il faut passe-passe par contre. Ouais non, je pense clairement, jour du drop, ça va prendre le t-shirt bleu, les deux pentes. 5... Oh ça va, 50 000. Et au niveau de plus, je sais pas encore quelle couleur. La noire marron, je pense pas, parce que j'ai déjà beaucoup trop de vestes noires. Ah sûrement la grise, grise blanche et la bleue. Putain encore un smic et puis voilà, c'est pas grave.
Salut Rome, j'espère que tu vas bien. J'en sors... Ah, c'est gris foncé. Ah non, j'ai déjà trop de vestes noires. C'est... J'en sors plus. Ah, déjà, je pense... Peut-être le t-shirt aussi, t-shirt beige. Je sais pas. Je sais pas, il y a tout qui me fait envie, ça casse les couilles. Vous êtes chiant à être trop fort là. Vous êtes chiant. Chaque fois je me sens restreint de devoir tout prendre parce que j'ai pas décidé. Tu vois, pour un quatrième coloré de la Sherpa, si t'as des envies. Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question là. Putain. Ça, les couleurs, je kiffe en ce moment. Bah, c'est le bleu. Bleu un peu plus foncé, ciel. Et le gris blanc. En ce moment, je porte que des trucs comme ça. Non, je suis full bleu et gris blanc. Bah, de toute façon, voilà. Hier, j'avais le Nighter bleu. Cette semaine, j'ai prévu de remettre le Fluffy gris blanc. C'est vrai que moi, du coup, ces deux colorés, ils m'ont tapé dans l'œil direct. J'étais en mode. Cela, il finit chez moi. Ouais, noir, bleu, gris, et ben oui, boy. Ah, et puis un petit combo. Petit haut bleu avec un petit pan de beige. Quel délice, bordel. Quel délice. Ah, j'ai pas vu, merci beaucoup Damien 40 pour les 50 bits. Merci, j'avais pas vu, désolé. Nananana. En vrai, j'aime beaucoup la THIW, mais sur la map, j'aurais mieux vu un ATH Cold War. Avec les sons, avec les logos d'Atou, machine d'Atou. J'ai retrouvé des photos du shooting, vas-y. Bon courage en tout cas. Et vivement le drop. Clairement, vivement le drop. Ah, tiens, tu as encore des uns si vous m'entendez parler du nez. Oh non, pourquoi le logo double tap il est comme ça? Oh, déception. Mais toujours un petit peu malade. Ça va mieux, mais toujours un petit peu... un petit peu capoute, comme on dit. Et bon, du coup, hein, pour en venir à la map, c'est principalement une map survival. Donc faites des manches, et puis bah, il y a quand même... Si vous voulez mettre fin à la partie, plutôt que faire start endgame... Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis. Plutôt que faire ça, il y a un buyable ending à 50 000 points. Du coup, on va le faire, le buyable. Que s'il va qu'il y en a tout. La force de parler, j'ai la gorge qui regratte, c'est chiant. Il y a des cordes vocales carrément. Ah, carrément! Ah, c'est terrible, hein. On a vu le pack à punch? Ah, mais la musique passe en manche, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi! Tais-toi, la musique passe en manche! Oh putain! On n'a pas pu profiter de la meilleure musique d'Atou, quoi! Fais chier! Hop, elle a l'air belle, elle est super belle, franchement! Même l'ambiance, elle est très cool! Une ambiance bien sombre, bah de toute façon. The Dead Forest, ça allait pas être un truc tout joyeux en mode petit parc d'attraction. Des petits jouets dans tous les sens. Tout rose, tout beau.
Sûr que déjà, vu juste le nom de la map, ça annonce un peu la couleur, quoi. Oh, la map, le pack-a-punch ? Putain, je me souviens pas. Si j'irais bien, pack-a-punch, pour voir le pack-a-punch de la map. Le chaos pack-a-punch. J'aimerais bien trouver aussi Marathon. On a vu Marathon ou pas ? J'ai même plus. L'atout, il s'appelle Fighter Fizz. En gros, quand tu tombes à terre en ayant ton arme principale en main, tu tues un zombie, ça te réanime avec tous les atouts à l'exception de Fighter Fizz. Non, la map est vraiment cool, vraiment, vraiment quali, vraiment clean. Non, mais vraiment, mais l'event Halloween, mais qu'est-ce qu'il était bien sur Cold War! Franchement! Non, c'est un spawner à zombies. Non, c'est un spawner à zombies. Ouais. Ah oui, il était là, le. Putain, j'ai même pas vu. J'ai même pas fait gaffe qu'il était juste là. On peut pas réactiver les nounours, je vais vérifier, parce que des fois il y a des musiques qu'on peut réactiver. En vrai, le mec, s'il a fait une belle map comme ça, tu sais, avec l'ATH et tout le truc IW, les logos de Cold War, les machines à tout de Cold War, mais qui nous pond le camouflage pack-a-punch de The Giant, oh, je serais trop triste, franchement. Ce serait dommage. Bah en vrai, je pense que niveau perk, on est bien. J'ai pas tout, mais j'ai le principal. On va peut-être commencer à se faire des points pour le buyable. Ouais. Ce serait du gâchis. Oh, c'est un détail après. Hein. Ah. Voilà. Ça, c'est de la map qui fait plaisir, ça. Ça. Ah non. J'ai cru voir une sorte de FX, mais non, mais c'est mon viseur qui juste... oui, ok. Ça aurait pas été du gâchis, mais ça aurait été dommage, quoi. C'est Captain Holo. J'espère qu'il y a bien. Hyper-sens, c'est un peu longue. Bah, c'est celle de l'event Halloween de Cold War. Hein. Il l'a pas retouché, c'est vraiment celle de Cold War. Dire que l'an dernier ils se sont fait retirer l'event Halloween de Cold War pour pas que ça fasse de l'ombre à MW2. Quel bande de connards Activision. Des frères qui sont contents, ils voulaient refaire plaisir à leurs fans du mode zombie en mettant le petit event Halloween pendant quelques semaines. Activision, ils sont arrivés en mode non mais là les gars faut l'enlever, il y a MW2 qui sort. Ah, merci les gars. Mais c'est Tasty Pêche. Oh mais c'est Tasty Pêche. Quel délice bordel. Qu'est-ce qu'il faut sur IW? Comment est-ce qu'il va le Storm? Ah ça peut faire penser à IW ouais. Qu'est-ce qu'il va le Storm lui? En vrai, mais Blending, ça valait vite, hein, 50 000 points. J'ai limite envie d'acheter tous les atouts de la map, hein, en fait. Si en soi, les spawns sont pas mal rapides, enfin, tous les atouts, à l'exception, bien sûr, de Daikiri qui pue du cul. Et oui, 59, merci beaucoup pour le 45e mois de sub, dont 45 mois consécutifs. Mais ça, si c'est pas beau. Ah, rendez-vous compte, hein. C'est dinguerie. 45 mois de suite qu'il loupe pas son sub. Il énerve pas mal les zombies au final. Ah! Ah, on a quand même la recharge de l'armure! Mais par contre, du coup, de l'autre côté, ça ralentit pas les zombies, c'est l'inverse en fait de. C'est ça? Tu es en train de me dire? En mode, ça recharge ton armure, Freezing Guard. Mais. De l'autre côté, ça ralentit pas les zombies, mais ça les énerve.
Vas-y, Small Shine, derrière tout. Non, celui que j'ai acheté, c'est le Milk Way, je sais plus quoi. En gros, voilà. Tout un certain temps, t'as un cut électrique qui one-shot quelques zombies devant toi. C'est Milk, je sais plus quoi. David, j'ai dû louper trois armes quelque part. Je crois que ça c'est Milk Way. Je sais plus le nom exact. Muscle Milk, pardon, Muscle Milk, merci. Non, Milk Way, c'est pas une barre chocolatée avec du truc dedans. Attends, je crois que je suis en train de dire un truc d'une barre de. Un truc de chocolat ou je sais pas quoi là, non? Bah, j'ai pas vu trois armes et j'ai l'impression qu'on a tous les atouts à l'exception de Daikiri, bien évidemment. Muscle Milk, c'est ça. Ah, c'est pareil, là, il y a toujours la vidéo du guide des atouts custom en dev. Toujours. Si, ouais, Milky Way, c'est ça, putain. Et ceci, la voie lactée. Ah, bah, c'est, oui, c'est vrai que. Effectivement, oui. Barre de chocolat avec de la mousse. Mmh. Oh. PhD. Bon, qui lance une pub, bah écoute. Et bah c'est parti pour la coupure publicitaire de 30 secondes. Bon, en vrai, on a plus qu'à se faire 50 000 points du coup, ce qui va être très rapide. Vu qu'on a un bon spawn control ici. Hier, je crois que c'est déjà la fin de manche. Il y a juste ces retardataires qu'on a fait spawn à l'autre bout de la map, évidemment. Ah, c'est un tracteur. Je me demandais ce que c'était. J'adore la musique passant de manche de Halloween, sans déconner, elle est trop bien. Rome, ça envoie une pub tchutch en gros. C'est le cornet, j'espère qu'il y a bien. Un petit x2 serait cool. Non, ce qui est cool aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de charpentier. Et ça, c'est bien. Plus de chances de tomber sur les trucs intéressants. C'est même plus du jingle, Diablo. Ramaxu! T'as raté, qu'est-ce que. De quoi t'as raté? De quoi? Quoi? Comment ça quoi? Eh bah tiens. Impeccable. Dis-nous ton Maxu. Si Maxamo, je vais attendre un peu. Pour pas créer du spawn dans trop de zones différentes. Eh bah nickel. Et bah on a moins de 30 000 points à se faire encore. Ah si, je connais Max. Enfin deux noms, j'ai jamais joué de ma vie. Je crois que c'est un jeu ultra hardcore, non? Bienvenue Arcadia, on le rappelle, hein. Nouvelle semaine de stream, donc nouveau planning de la semaine. Si vous voulez voir le contenu des streams, les horaires des streams, pour une exclamation planning, on n'oublie pas, évidemment. Bien évidemment. Après, je pense qu'on va se faire le Bowser Castle. Petit Bowser. Merci à ICU d'exister. Les manches elles passent super vite, c'est incroyable. Ah ouais, Diablo? Putain, je savais pas que. Stylé.
Qu'est-ce qu'il y a, Stormlux? Qu'est-ce qu'il m'arroba, ce Stormlux, celui-là encore? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, d'ailleurs, ça, faut que tu me dises en MP la plateforme. Je sais pas, attends. Non, je te l'ai pas envoyé, je crois, le jeu. Et tu me dises MW3, la plateforme, tout ça, tout ça. Pas quand tu sauras, évidemment. Nuke, non merci. Non, pas encore check DM. Je vais check les DM. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait une description entière. Storm, y'a moyen que tu copie-colles justement ce truc là dans le doc où on avait mis tous les trucs pour la vidéo d'avant, au cas où le truc se fait supprimer ou slash sauter, qu'on en ait une trace. D'ici en live, t'avoue, du coup, ça peut juste faire un copier-coller. Rome, 50 000 points. La même max, j'ai craqué. Ah putain, c'est un moustique, j'étais en train de tirer dessus. Vas-y Storm, tu me tiendras au courant et quand tu pourras, sauras, tu me diras... Eh hey, au fait. Et t'inquiète, petit cadeau de la maison. Avec leur petite merde, aïe. Et bah je pense que d'ici 2-3 manches, on aura fini la map hein, du coup. Point électrique, c'est Muscle Milk. Tu cutes un zombie devant toi, ça électrocute quelques zombies devant les one-shotant. Ah, moi City, j'ai surkiffé, franchement. Après ma déception l'an dernier. C'est longtemps que j'avais pas autant kiffé une bêta. Eh, chut. Oh, le petit x2 en plus. Eh bah dis donc. Ouais mais il sonne carrément. Oh, ah mais quand la bêta, quand la campagne sera dispo, mais je serai à la PJW moi. Ah, ah, faudra que je la fasse soit le dimanche en rentrant, soit je sais pas. Hein. Soit le lundi, mardi ou mercredi, vu que dès le jeudi 9, bah je serai... Je serais occupé sur un petit zomblard, quoi. Et bah ouais, c'est mon chat, ça va être fini. Max, t'as loupé les deux maps d'avant. Donc, c'était une map thème Modern Warfare dans un stand de tir. Et l'autre, c'était une map dans les terres noires. Xenox, du 1er au 5 novembre. Moi, j'y suis le 1er, 2 et 4. J'y serai. Et j'y serai aussi à la soirée presse, mais là, c'est différent. Bah c'est bon, 50 000 points. Et bah vraiment lourd la map. Pour ceux qui ont une petite map survie dans le thème un petit peu forêt de la mort et tout. Vraiment juste trop belle et... Yeah, les sons, tout, elle était vraiment cool.